Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. Moi super, je crève de chaud mais ça va très bien. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui, des mods sur GTA V, ça fait longtemps. Comme d'hab, un petit pouce bleu, un petit partage si ça vous plaît. Tiens, salut. Qu'est-ce que tu fous là enfin, c'est la canicule. Tiens, prends ton C4, c'est pour la prévention hein. L'Antonov AN-225, le plus gros avion du monde. Oh franchement, il est magnifique. Ça prend déjà la moitié du grand aéroport de Los Santos. Et on va essayer de le faire atterrir sur le plus petit aéroport de GTA V. Décollage. J'ai même des petits ventilos là pour le confort. On va bientôt lever le nez pour décoller. Doucement, parce que là on conduit pas un coucou hein, quand même. Coucou. Fermeture du train d'atterrissage, c'est bon. Il est immense, gigantesque le truc. Je voulais le prendre aussi pour le voir et m'amuser avec, parce que ça reste quand même un avion, une prouesse technique le truc, je pense, en vrai. Un peu bolide, hein? Non. Je suis pas pilote à la base, hein, quand même, je vous le dis. Mais pas de problème, ça s'improvise, t'inquiète pas. Bip bip, dommage qu'il n'y ait pas un petit klaxon là, histoire qu'on rigole. Tableau de bord complètement refait, à l'identique, du vrai. Alors après, voilà, non mais c'est bien. Regarde, il y a le bouton d'aérodynamique des flux intertemporels. C'est ce qu'on appelle le système de la technicité informatisée. Donc ça, à la base, c'est pas un avion qui transporte des passagers, hein. Ça transporte des grosses biquettes. Wouhou, regardez à côté de l'autre. Oh, j'ai envie de cracher dans l'avion de ligne à côté. Je me dirige vers le plus petit aéroport de Los Santos. Tout au fond, on arrive à voir la piste depuis là. Va falloir se poser en douceur là-bas. Ah, je m'arrose la vieille gueule. Ok, on va commencer à ralentir. Je baisse l'intensité des moteurs. Ça y est, je la vois à la piste. Ah, oh, c'est trop bien. On a une sensation de ouf en se rapprochant de la piste. Va falloir poser ce monstre désert sur cette toute petite piste. On sort le train d'atterrissage, j'ai failli l'oublier, alors là ça aurait été pas mal. Je ralentis, est-ce que je vais pouvoir poser cet avion dans une piste aussi petite qui est destinée à accueillir normalement des petits coucous? Attention, je me décale un peu à gauche. Oui. Oui. Ouais, j'ai réussi. Alors je pensais pas du tout y arriver, je vais être honnête avec vous, je pensais que j'allais me cracher direct, que ça allait exploser, finalement on l'a fait. Alors par la magie du seigneur, nous nous retrouvons dans les airs, je suis reparti. Qu'est-ce que... Et non, je vais me cracher cette fois et j'ai pas fait exprès. Attention. Ouh. Oh, le petit avion qui passait là, il a failli en faire les frais. Bon, bien joué Tuck de Franck. Tu l'as posé dans les bottes de foin. Il est tout nouveau cet avion, on peut dire qu'il est Antonov. Non! Je suis en train de me dire que c'était peut-être moins dangereux la piste en campagne là-bas que cette grande piste dans le désert. C'est la bonne idée ça quand même, hein, de mettre des rochers comme ça en bord de piste, histoire que si l'avion il perd le contrôle, il s'en casse dedans. Décollage! Oh oh, alerte au Google! J'espère en tout cas que vous passez une bonne journée en ce mercredi très ensoleillé. Il fait très très chaud en ce moment, alors couvrez-vous, buvez bien. Conseil du ministère des biquettes. Je vais rentrer dans un objet volant identifié avec mon Antonov pour voir ce qui se passe. Oh, j'aimerais tellement que la maze bank elle puisse s'écrouler là, je me cracherais dedans, ça ferait un méga impact. Oui, je suis un peu un psychopathe, mais regarde ça, on va lui rentrer dedans à celui-là. Ouh, ok, ça m'a pété l'avion. Eh ben sympa le mec. Non, marche arrière avec l'Antonov. Ah. Tiens, c'est quoi ça? Regardez, il y a un avion. Mais c'est pas un avion de ligne, c'est un avion de chasse du jeu. Je mets le cap droit sur lui, on va tenter... Non, on va pas le rattraper. Je me demande quelle sorte de magie ils utilisent, les avions, pour apparaître comme ça. Je les vois pas décoller ni arriver. Puis d'un coup, ils se retrouvent pas loin. C'est la magie vaudou du Bénin. Bon, je fais un dernier aller-retour. Si je vois pas d'avion, on va tenter un atterrissage d'urgence en ville. Voilà, tout simplement. Oh, il y en a un là. Oh oui, je l'ai touché. Regardez, il est parti en live, mais apparemment ça va. Non, il arrive pas à s'en remettre. Regardez, il va se cracher au loin. Il a disparu. Ok, bon, ok, on va y aller pour l'atterrissage d'urgence. Voilà, je suis en perdition avec mon avion. J'arrive quand même à sortir le train d'atterrissage et là je vais devoir me poser en urgence parce que, eh bien, je n'ai plus de carburant et donc voilà, je vais devoir éviter le maximum de morts. Donc ceux qui sont dans l'avion et ceux qui sont sur la route. Heureusement, j'ai encore bien le contrôle des ailes et tout. Donc il va falloir le poser sur l'autoroute qui est ici. Je me pose en toute délicatesse. Nickel. Ok,
Bon, ça va, j'ai dû faire peut-être 500 morts, ça va encore. C'est mieux que si je me crache en plein centre-ville comme un bourrin. Regardez, il y a un PNJ là, il veut se battre avec moi en plus. Donc voilà la situation, appelez les pompiers quand même. Attendez, on va aller voir l'étendue des dégâts sur place. Messieurs, dames, calmez-vous, je suis le pilote de ce bolide. Qu'est-ce que tu veux, Franquidou? C'est pas la peine de me maltraiter comme ça, hein, tu sais. J'ai fait de mon mieux. Oh, ça a créé un master bouchon ici. Ok, on va tout faire péter parce qu'il faut finir le boulot. Au revoir! Oh, ça a mal pété là, oh! Voilà! Comme ça, c'est mieux! Oh, j'adore quand ça pète comme ça! Tiens, vous aussi là! Hop! Dégarpillé, voilà! Ouais, c'est la guerre là! Oh, c'est la guerre! Ah non, franchement, c'est hallucinant! Regardez le bazar que j'ai mis là! Eh, franchement, j'ai jamais mis un tel beans sur GTA V! Je sais même pas comment mon jeu il tient après tout ça, quoi! J'ai jamais vu un tel bazar! Regardez le nombre de voitures! Maintenant, je vais attendre sagement le tram et m'échapper par celui-ci. Ok, en fin de vidéo, je vous propose une course-poursuite un petit peu spéciale, vous allez voir. Restez bien jusqu'à la fin. Maintenant, on va aller visiter une ville que je voulais vous présenter depuis un bon moment. Alors, cette ville, normalement, elle doit être au large des côtes de Los Santos. Elle est là-bas, on peut l'apercevoir depuis là. Ah d'accord, je vois rien quand je suis dedans. Ah, il est sympa ce petit... Regardez le truc. J'avoue, je l'avais oublié celui-là. Ok, je vous propose de... tenter un atterrissage avec mon petit coucou là. On va tenter un atterrissage, mais il est dur à contrôler hein, cet avion là. Attention aussi là. Ouais, ouais, c'est bon hein. C'est un peu laborieux, mais on arrive à se poser quand même. Ça va. Et voilà, posé en douceur, je le crois pas. On va se prendre ce tout terrain pour se balader. Voilà, c'était un mode que j'avais pris qui est magnifique, qui va nous servir en fin de vidéo peut-être. Ah ouais, effectivement, c'est assez futuriste comme endroit. C'est même très futuriste, hein. Regardez un petit peu là, on dirait des soucoupes volantes. Tiens, il y a des gens ici, qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, elle te fait des kamehameha, elle, on dirait. C'est futuriste, en effet, ils prennent des cours de ki pour contrôler l'énergie, je crois. On a un écran cinéma, bon, ça va. Oh, le coucher de soleil, il est fabuleux. Allez, on va prendre une petite moto, puis tenter un petit stunt maintenant qu'on y est. Allez, vous connaissez. Ah, j'ai trouvé, regardez, on va faire un petit truc avec cette moto pour se marrer. Hop, on lève la roue, on jump, et là, on se met en slide. Bon, c'est un peu large. Oh, il y a une plateforme là-bas, on va tenter de jumper et d'atterrir dessus. Bon, ça, c'est first try déjà, easy. Oh, mince. Pas mal, joli. Bon bah je sais pas pourquoi ça m'a remis dans les airs. Au moins vous voyez la map du dessus. Voilà, je voulais vous la montrer parce que c'est assez marrant, cette map futuriste. Et on va utiliser le rebord pour décoller et se poser sur la boule là-bas au milieu de l'océan. Regardez, la prise d'élan en plus est parfaite. On y va, c'est parti. Ok, là, vas-y. Ah dommage, on va prendre la BF400 qui lève un peu plus. Allez là, c'est celui-là. On lève bien la roue. Oui, ouh dommage. À fond, voilà. Oh, c'est pas vrai, enfin. 20 minutes later. Tiens, là, je vais pas assez vite, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben non. Voilà, ça y est, on l'a. Eh oui, c'est réussi. Et voilà, avec le petit coucher de soleil, ça fait un stunt assez sympa. Voilà, les gars. C'est bien, la vie. On va passer maintenant à la course-poursuite que je vous ai promise et on va tenter de s'échapper. Alors c'est une course-poursuite en avion et pas n'importe quel, regardez ce truc de cinglé. Et c'est pas fini, hein, vous n'avez pas tout vu, donc déjà on va décoller. Oh là là, c'est un monstre le truc, c'est un monstre. Non, mais non aussi. Ok, on va tenter de décoller dans ce petit espace, c'est parti, ça va le faire normalement. Allez. Oui. Non. Wouhou. Oh, il a un sacré look. Mais oui, mais décolle aussi. Attention à vous les PNJ, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, mais tu vas décoller. Oui. C'est bon, enfin on y est. C'est un avion exceptionnel. Il est équipé de plusieurs armes, des missiles et mitrailleuses. Mais c'est pas tout les gars, vous n'aurez jamais vu ça je pense. Ok, vous êtes prêts? On va le customiser cet avion. Donc hop, je rajoute des gros missiles en dessous. Ensuite je rajoute ça. Regardez le truc de ouf que je viens de mettre sur le toit de l'avion. Je ne vois rien. Ouais, en gros, c'est une arme alien, le truc. C'est un laser qui fait très très mal. Regardez. Voilà, j'explose tout sur mon passage. On est tellement rapide, c'est incroyable. On va l'essayer. Regardez d'ailleurs sur l'avion qui est en face. Hop, vue première personne. Regardez ça. On va atomiser l'avion de devant. Hop. Je
je tire. Ah ouais, ça fait super mal à de longues distances en plus, c'est magnifique. Je vais me rendre à la base militaire maintenant. Oh là là, on y est en 2 secondes avec nos 600 km/h. Tiens, regardez, on va les exploser en 2 secondes. Oh, attention, il y a les missiles qui me suivent, mais bon, ça va être facile de les esquiver, je pense. Boum, explosé. Attention, on va esquiver la carcasse. Wouhou! Oh, c'est énorme. Enfin, voilà, c'était pour vous présenter ce petit avion qui, malheureusement, a bugué, là, quand même. J'entends un bruit suspect. Donc, vraiment, avion à laser assez stylé. On va finir la course-poursuite d'une manière assez stylée. Regardez, je saute de l'avion maintenant. On va se poser sur le mont Chiliad et on va tenter un truc. Wouhou! Je vous rappelle, je suis pas en invincible. Oh, il est magnifique, celui-là aussi. Celui-ci, le Ranger Extreme ou le Mega Ram. Allez, je vais prendre le Mega Ram parce que je suis sûr que c'est le plus gros et que, en plus, je suis sûr que vous l'appréciez bien. Il va falloir s'échapper des 5 étoiles avec le Mega Ram en partant du sommet du Mont Chiliad sans mourir, préférence. Ouh, joli. Oh, si ça va bien, ce 4x4, là, c'est incroyable. Il a des suspensions immenses. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, enfin, doucement quand même. Allez, hop, je prends ce chemin-là. Je sais même pas où ça va. C'est parti, on met les gaz. Youhou! Oh, c'est trop cool. Ah bah ça y est, je les ai semés, les 5 étoiles, on a réussi. C'était assez facile en fait. Mais vous vous rappelez le circuit que j'ai galéré dans ma dernière vidéo GTA 5? Et bah je vais le refaire avec ce 4x4 dans une prochaine vidéo parce que on va galérer beaucoup moins, ça va être trop stylé. Et ouf, j'ai failli mourir. Hop là! Il est trop bien, franchement, on va le reprendre dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on s'est bien marré, c'était un peu différent d'habitude, là, on s'est... Petit test de véhicule, de map, de tout. Hop, regardez, je vais même passer dans l'eau. Ah ouais, mais en fait, il craint rien, ce 4x4. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, on va même tenter de rejoindre le petit bout d'île qui est en face, c'est incroyable. Oh, j'ai réussi! J'ai réussi, regardez, j'arrive jusque là en traversant l'eau, c'est incroyable. Voilà, donc je m'arrête là, je le reprendrai dans une prochaine vidéo parce qu'il est vraiment stylé. Un max de pouces bleus et un petit partage si ça vous a plu, ça me ferait plaisir. Bon mercredi à tous, je vous donne rendez-vous dans un futur proche pour une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao ciao.